Bienvenue dans ce magazine, une émission spéciale car elle aura pour but de remettre le trophée du meilleur joueur guinéen ou le trophée du meilleur joueur guinéen, effectivement, qui a été organisé par le site 100% Foot. Et nous avons son directeur général avec nous que nous aurons le plaisir de vous présenter d'ici quelques instants. Voyons d'abord le sommaire de cette émission. Match France-Cameroun, c'est le 30 mai à Nantes. Verrons-nous un superbe geste technique de Patrick Boma, cette fois encore, de la part de notre joueur? Eh bien, réponse dans cette émission. Élection au sein de la Fédération togolaise de football. Comment s'est déroulé le scrutin? Eh bien, nous irons sur place. Et puis, remise du trophée, je vous l'ai dit, au meilleur joueur guinéen de l'année 2015. Eh bien, nous allons parler au cours de cette émission. Et bien sûr, vous allez voir tout ça en direct sur notre antenne. Alors, notre invité, c'est M. Alpha Baldé, directeur général du site 100% Foot. Bonsoir Alpha. Bonsoir José, bonsoir à tout le monde. Et bienvenue dans cette émission. Nos éditorialistes, Saïd Afizi, bonsoir Saïd. Bonsoir José, bonsoir à tous les téléspectateurs. Et bien sûr, Noureddine Sali, notre éditorialiste. Bonsoir également. José, bonsoir à tous. Voilà. Et puis la question de l'FC, comment jugez-vous la sélection du Cameroun en ce moment? Vous n'hésitez pas, vous allez sur nos réseaux sociaux, mais aussi à fc@africa24tv.com. France-Cameroun, troisième rencontre dans l'histoire de ces deux pays, c'est à la une de l'FC. Les Lions indomptables du Cameroun affronteront les Bleus, l'équipe de France, bien sûr, en match amical le 30 mai prochain à Nantes. La Fédération camerounaise de football l'a annoncé lors d'une conférence de presse le 8 février à Yaoundé. Les préparatifs sont amorcés et on attend impatiemment cette confrontation, donc avec des multiples enjeux. Reportage au Cameroun de notre correspondant permanent, Chérif Ousmane Bardounka. Regardez. La sélection camerounaise de football senior rencontrera la France en match amical le 30 mai prochain au stade de la Beaujoire de Nantes. Il s'agira de la troisième confrontation entre le Cameroun et la France, un match qui rentre dans le cadre de la préparation de l'Euro 2016 pour la France et de la CAN 2017 pour le Cameroun. Et pour ne pas rater cette rencontre, tout est en train d'être peaufiné à la Fédération camerounaise de football. Ben, il faut dire que ce sera simplement un match qui aidera et la France et le Cameroun. Vous savez que autant la France prépare l'Euro, autant le Cameroun est dans la période qualificative pour la CAN 2017. Donc ça veut dire que c'est un très bon match de rodage pour nous. Ça permettra de voir à quel niveau nous serons. Surtout que pour le coup, nous avons un nouvel entraîneur. Donc à partir de ce moment, ça permettra au public d'être fixé sur qui est exactement ce nouvel entraîneur. Depuis les années 2000, les deux pays ont eu à se rencontrer à deux reprises. En amical, le 4 octobre 2000, au Stade de France, ils s'étaient séparés par un nul, un but partout, avant de se retrouver le 29 juin 2003 dans le cadre de la finale de la Coupe des Confédérations, remportée par la France aux prolongations 1-0. Les supporters s'en rappellent et sont optimistes pour la rencontre du 30 mai prochain. On ne peut être que confiant, hein, du moment où d'abord le Cameroun est premier de sa poule et puis aujourd'hui on voit les performances des footballeurs camerounais à l'extérieur, ils se comportent très bien. Donc à partir de ce moment, on se dit que les choses iront pour le mieux. En attendant le 30 mai, le Cameroun affronte l'Afrique du Sud le 26 mars prochain au stade Omnisport de Limbé. Ce sera pour le compte de la troisième journée des éliminatoires de la CAN Gabon 2017 avec sur le banc de touche Hugo Bros, nouvel entraîneur des Lions Indomptables. Voilà, vous avez vu la tête du nouvel entraîneur de la sélection des Lions Indomptables à l'instant. Alors, concernant maintenant les prochains matchs de l'équipe du Cameroun, ce sera la troisième journée pour la qualification de la CAN au Gabon. Vous voyez Cameroun, Afrique du Sud et Mauritanie contre Gambie. Pour l'instant, le Cameroun est en tête, donc devant la Mauritanie, c'est la grosse surprise. Et puis, les matchs retour que nous allons voir également, Gambie, Mauritanie et Afrique du Sud, Cameroun, déplacement difficile pour les Camerounais. Alors, Alpha, ce sont toujours des matchs particuliers entre l'équipe de France et ses ex-colonies. C'est ça, c'est exactement d'abord la première chose qu'il faut mettre en avant, c'est ça va servir d'événement un petit peu festif pour les deux équipes. Au-delà de la préparation sportive qu'il peut y avoir en dessous de ce match, même si les compétitions sont un petit peu étalées tout au long de l'année et un petit peu rejetées un petit peu plus tard sur le calendrier, ce sera déjà essayer de voir les rapports sur le terrain, essayer de rapprocher les joueurs. On se rappelle de ce France-Algérie qu'il avait eu, même si la fin n'avait pas donné raison totalement à ceux qui avaient voulu
faire de ce moment un événement. Mais au-delà de ça aussi, il faudra un petit peu être attentif sur les choix, les derniers choix de Didier Deschamps après certains événements qui se sont passés. Moi, je pense que la presse française s'apesantera plus sur ça et essayer de voir ce que peut ressembler, ce à quoi peut ressembler justement l'équipe de France pour l'Euro. Oui, Saïd, vous vous souvenez aussi de ce France-Algérie. Maintenant, il y aura un France-Cameroun. Ouais. Ce sont des grands souvenirs, ce sont des matchs particuliers pour vous aussi? Oui, pour tous les Africains en règle générale, surtout comme vous l'avez dit, que la France avait un empire colonial assez important en Afrique. C'est toujours un match particulier quand la France joue le Mali, le Sénégal, le Maroc, l'Algérie, etc. Donc il y aura moins de stars sur le terrain qu'à l'époque des Zidane, Mboma, Eto'o, etc. Mais on s'attend quand même à un bon match. Il y a toujours un mélange d'amour et de haine, il y a une certaine passion dans ces matchs-là et ça fait toujours de très 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 beaux matchs avec des tribunes bien garnies. Oui, Noureddine Salih qui ne va pas marquer ce match, vous serez sans doute à Nantes. Oui, pourquoi pas, peut-être. Non, je pense, moi, peut-être j'ai un avis un petit peu différent, je ne sais pas, c'est des matchs, pour moi c'est un match de gala avant tout, ce n'est pas un match de préparation, bien de réglage pour l'équipe de France, parce qu'il est à 10 jours du départ du coup d'envoi de l'Euro, et ce qui sera un match intéressant pour le Cameroun qui va sortir de deux matchs très très difficiles contre l'Afrique du Sud, parce qu'il a lanterne rouge dans son groupe. Je ne sais pas si la date est choisie pour préparer l'un de son côté l'Euro, qui n'a rien à voir avec le jeu africain, et l'autre avec qui va se préparer pour jouer soit la Mauritanie ou la Gambie dans une dizaine de jours après. Oui, donc c'est ce que nous allons voir. En tout cas, sachez, ou vous l'avez retenu, que c'est M. Hugo Brousse, 63 ans, ex-défenseur des Diables Rouges, qui a été nommé entraîneur de la sélection des Lions Indomptables. Il va prendre ses fonctions à partir du 26 mars à Limbé, face à l'Afrique du Sud pour les éliminatoires de la CAN 2017 au Gabon. Alors maintenant, vous avez aperçu le fameux but de Patrick Boma, c'était dans les années 2000 pour la Coupe de la Confédération, je crois, au Stade de France, et nous allons regardez de nouveau ce but excellent qui avait été marqué, mémorable. Oui, la bicyclette, hein, Alpha. On va revoir pendant que vous commentiez, Alpha. Quelques mots. Magnifique sur l'action. Le ballon qui rebondit et on voit un défenseur, Emmanuel Petit, plutôt, qui était venu défendre, qui n'arrive pas à jauger la trajectoire du ballon. Ensuite, derrière, vous avez l'excellent Patrick Mboma, renard de surface filet, tonnerre de canon qu'il a dans ses jambes, puissance explosive. Qui la met directement. Saïd, je sais que vous avez essayé ça plusieurs reprises. Oui, ça ne marche pas tout à fait avec moi, c'est pas pareil. C'est cette magie-là un petit peu qui nous manque aujourd'hui dans le football africain et qu'on voit plus trop à l'époque. Il y avait les Djedji Okocha, il y avait plein de joueurs qui étaient Kanou, etc., qui étaient capables de faire des gestes tout bonnement exceptionnels. Et c'est l'instinct, cet instinct-là qu'on perd petit à petit. Oui, en deux mots, Noureddine, avant de retrouver justement Patrick Boma, ce sont des joueurs africains particuliers qui sont spécialistes en la matière. Oui, tu fais peut-être allusion à notre Amara Simba aussi, oui, bien sûr. Non. Qui est quoi Qui est, je pense, guinéen, hein, si je ne me trompe pas bien. Nous ne sommes pas très sûrs. Pas très sûrs. Non, je veux dire, j'espère que le Cameroun retrouvera cette génération, une autre génération qui peut égaler ou bien rivaliser avec ce qui se passait dans le temps, parce que le Cameroun actuellement, je ne pense pas qu'il est dans une bonne situation. Ouais. Voilà, Patrick Boma maintenant en ligne avec nous. Patrick qui va nous parler de la sélection à l'époque. Et est-ce que le Cameroun était quasiment la meilleure équipe d'Afrique? Et il va nous dire aussi ce qu'il attend du match du 30 mai France-Cameroun. Patrick, c'est à vous. Je suis toujours ravi qu'on s'en souvienne. Bon, je peux pas l'occulter parce que les gens le remémorent quasi quotidiennement, ce qui devrait me flatter. Mais d'un autre côté, je me dis que je n'ai pas réalisé que cela dans ma carrière. C'était un but qui était important pour les gens parce qu'il s'agissait du champion d'Afrique et du champion olympique contre le champion d'Europe et champion du monde. Mais ce n'était qu'un match amical. En me vantant un tout petit peu sur le continent africain et en étant un peu, peut-être un peu moins modéré dans l'histoire du football camerounais, d'après ce que les gens me disent et ce que j'ai pu observer, je crois qu'on pouvait difficilement être meilleur que pendant cette génération qui a duré, elle dure un certain temps, mais pendant 3-4 ans, on était vraiment au-dessus de tout le monde sur le continent. Et on a démontré, en étant performant contre les grandes nations, malheureusement, il nous a manqué de le concrétiser en Coupe du Monde 2002.
vous savez, les changements de sélectionneur qui ne facilitent pas la cohésion dans une équipe qui a besoin de se renouveler. J'espère voir de bonnes choses, mais l'équipe de France peaufinera sa préparation pour l'Euro et aura un avantage réel sur l'équipe du Cameroun qui cherche encore ses marques. Oui, nous avons en ligne avec nous Joseph Antoine Bell, notre spécialiste. Alors, Joseph, nous avons appris par la presse locale que vous contestez ce match et vous demandez à la fédération de rompre tout dialogue avec la fédération camerounaise de football. Est-ce vrai, Joseph ? Non, je pense, José, d'abord bonjour à tous. Je crois qu'on oublie toujours d'être précis. On ne dit pas que la fédération camerounaise de football n'existe pas. Mais on dit que ceux qui la représentent n'ont aucune légitimité. Michel Platini ne représente plus l'UEFA aujourd'hui, ne peut pas parler au nom de l'UEFA. Les idées qu'il a eues hier ont été très bonnes. Elles peuvent profiter, mais aujourd'hui, il ne parle pas au nom de l'UEFA et c'est une décision juridique. C'est la même chose. Il y a une sentence qui dit que les élections à l'Africa Foot ont été annulées. Donc, ceux qui se prétendent élus par des élections qui sont annulées n'ont pas qualité pour parler pour la Fédération camerounaise de football. C'est aussi simple que ça. Alors, ça signifie qu'Hugo Bousse, pardon, qui a été nommé, est contestable en tant qu'entraîneur. José, vous rappelez qu'il y a deux ou trois semaines, vous m'avez appelé ici pour commenter la nomination d'Alain Vires. Et je vous avais dit, attention, attention. Donc, José, il faudrait que nous soyons nous autres sérieux. Que nous, on garde tout notre sérieux, toute notre lucidité. Quand vous avez affaire à une fédération qui a annoncé qu'elle avait lancé un appel à candidature et qu'elle avait reçu 285 candidatures, puis qu'elle avait deux fois une shortlist, et qu'un jour, on vous dit c'est Alain Jurel, c'est sûr, et tout le monde entier répète que les journaux locaux bien introduits ont dit que finalement on vous dit non, ce n'est pas ça, on ne sait pas trop, puis un jour on vous sort quelqu'un d'autre, vous vous abstenez de commenter de telles nouvelles. Vous observez et vous laissez courir. Alors Joseph, qu'est-ce que vous en dites aujourd'hui à propos de ce match France-Cameroun le 30 mai, et qu'est-ce que vous pouvez en dire en deux mots, hein, Joseph, sur l'Africa Foot aujourd'hui? C'est très simple, José. Le 30 mai est encore loin. Et il ne s'agit pas de la sélection du joueur qui sera gardien de but ou avant-centre. Il s'agit simplement de qui parle au nom de la fédération. Et ça, ce sera réglé avant le 30 mai. Ce n'est pas la peine de se précipiter. Tout cela sera bien réglé. Le match, on verra le moment venu s'il se joue ou pas. Et puis, nous tous qui parlons aujourd'hui, personne ne sait qui sera là le 30 mai. Exactement. Eh bien, oui, Alpha Baldé, vous posez une question. Salut Joseph, c'est Alpha que tu aimes bien taper à chaque fois que tu es avec lui. dis-moi, Joseph, le match, tu es pour ou pas? Comment, le match, tu es de la pour? Oui. Alpha, en tant que footballeur, j'approuve tous les matchs de foot. Ça va. Maintenant, il faut dire autre chose aussi. Attention, il y a de forts jolis matchs qui, à un moment donné, ne sont peut-être pas indiqués à être joués, mais ça, je ne vais pas le commenter là tout de suite. On va en parler après. On va en parler hors antenne. Salut. Merci, Joseph. Toujours très, très, très salut, grand philosophe, ce Joseph Antoine Bell. Joseph, à lundi prochain, bien entendu. Merci. C'est la fin de la première partie de cette émission. On se retrouve tout à l'heure pour parler du dossier consacré à la Fédération togolaise de football.